Et donc, on en est qu'au fait qu'on est donc en 96 pour le moment. Donc, et peut-être un peu avant, enfin, je ne sais plus. Oui, non, non, le Cratérop était publié en 96. Et il y a une remarque de Latour qui va quand même, heureusement, faire un peu bouger les choses. À un moment donné, on discute. Donc, et donc, je suis maintenant entourée par des gens qui sont soutenants, avec qui je peux dialoguer, qui m'offre un monde, vraiment un monde intellectuel, d'idées, de critiques, etc. Et Latour, un jour, va me dire, mais enfin, le Cratérop, c'était donc ta thèse. Et je lui dis, ben non, c'était pas ma thèse, j'ai fait ça comme ça, un peu exercer mes outils, hein, on va dire comme ça. Et il me dit, mais Vincent, là, il me semble que tu as fait une bêtise. Normalement, on ne publie pas avant la thèse. Tu dois faire ta thèse, tu dois absolument, il faut que tu te débarrasses de ça. C'est quand même la thèse le plus important. Bon, c'est très bien ton Cratérop et tout, mais si tu n'es pas encore tes arts, ça va être difficile pour toi. Donc fais ça au plus vite. Et donc, c'est vrai que je travaillais à ma thèse, mais comme ça, quoi. Je trouvais ce que je faisais sur le côté était tellement plus intéressant. Et donc, je m'y suis mise un grand coup. Et en fait, je sais ce qui freinait ma thèse. Ce qui freinait ma thèse, c'est que j'arrivais pas à m'intéresser au problème des émotions à cette époque-là. Je trouvais pas de prise, je trouvais pas. Et ça, jusqu'à un moment donné où j'ai découvert, et ça c'est de nouveau, alors là c'est une rencontre intellectuelle parce que c'est pas une rencontre personnelle, bien que c'est aussi débouché sur une rencontre personnelle par après. Je découvre le travail des ethnopsychologues, c'est-à-dire ces anthropologues qui essayent d'étudier des configuration psychique, la manière dont les subjectivités sont modelées par la façonnée par la culture, comment la notion de conscience, par exemple, peut tellement varier d'une culture à l'autre, comment toutes ces notions. Et d'un seul coup, en découvrant, un peu par hasard, hein, le travail des ethnopsychologues, et particulièrement d'une anthropologue qui s'appelle Catherine Lutz, qui a étudié les émotions chez les Ifalouks dans le Pacifique occidental, c'est un tout petit atoll. Qui fait 3, il y a 350 personnes, enfin, au moment où les études dans les années 80. Et je découvre une prise extraordinaire qui est une prise politique sur les émotions. Et pour moi, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. C'est-à-dire que je découvre d'abord à quel point les émotions sont un concept beaucoup plus politisé que ce que je n'imaginais. Et c'est la déconstruction que vont opérer ces ethnopsychologues. Et c'est une déconstruction qui est très intéressante, et ici on retrouve vraiment le rôle de l'anthropologie, une déconstruction extrêmement intéressante dans la mesure où ils se rendaient bien compte que s'ils arrivaient, par exemple, pour étudier, comme la Catherine Lutz, la question des émotions chez d'autres personnes, ben, il y a des tas de choses de la manière dont on pense, dont on fait l'expérience, dont on théorise les émotions, qu'il faut absolument, avec lesquelles il faut se défamiliariser. Par exemple, si on va chez les Ifalouks avec l'idée que les émotions sont, comme dans la tradition occidentale, sont l'opposé de la raison, vous êtes mal parti. Parce que les Ifalouks ne vont pas faire d'opposition émotion-raison. Ils n'ont même pas de concept pour dire qu'il y a d'un côté les émotions et de l'autre côté la raison. Et donc tout le travail de ces ethnopsychologues, c'est avant même de partir sur le terrain, et c'est ce que va faire merveilleusement Catherine Lutz, mais bien d'autres hein, vont le faire au même titre qu'elle. Je pense aussi notamment à Lila Bouloughot, je pense à, enfin bref, à la quantité d'autres qui sont leurs amis, leurs collègues, leurs collaborateurs. C'est qu'il faut voir un peu mais sur quoi repose notre conception des émotions. Elles sont tellement évidentes. En plus, les émotions, c'est tellement évident. On n'imagine pas qu'elles pourraient être autrement que ce qu'elles le sont. Elles nous débordent, nous les vivons avec une telle authenticité. Qui d'ailleurs donnera le titre du livre qui fera suite à ma thèse, c'est une ethnologie de l'authenticité. Parce que s'il y a bien quelque chose qui caractérise la conception que nous avons des émotions, c'est qu'elles sont authentiques. C'est la partie la plus authentique de nous-mêmes. Et ce sentiment même d'authenticité, donc même notre propre expérience, rend extrêmement difficile
le fait d'imaginer qu'elles auraient pu être autrement qu'elles ne sont. Et donc ce travail de défamiliarisation, de déconstruction, de délocalisation à laquelle s'attelle avec un tel brio l'anthropologie, c'est tout un travail qu'elles ont dû faire ou qu'ils ont dû faire à une période qui n'est pas innocente du tout. En plus, c'est une période, enfin, on sait que dans l'histoire de l'anthropologie, cette période des années 70-80 est une période extrêmement importante de remise en cause de certaines formes de pensée coloniale, où l'anthropologie va vraiment devoir faire un travail de réflexivité et même d'engagement par rapport à ces questions, et une période féministe. Et l'émotion est exactement au croisement de ces deux préoccupations. Elle va se trouver l'objet ciblé exactement par ces préoccupations, à la fois les préoccupations par rapport à notre ethnocentrisme, par rapport à la différence aussi qu'on établit entre les peuples, et par rapport à la différence homme-femme. Alors pourquoi ? Ben Catherine Luce, je vais le faire très schématiquement, Catherine Luce raconte que avant de se rendre, de choisir son terrain d'enquête, elle va d'abord devoir étudier théoriquement l'objet qu'elle choisit. Et donc, elle choisit les émotions. Elle le choisit pour des raisons d'époque, hein, en disant que les féministes proposent de revaloriser les émotions, qui sont quand même des expériences que la culture a tendance à dévaloriser par rapport à des aspects plus nobles, des dimensions plus nobles de l'humain, que sont la raison, la conscience, la maîtrise de soi, etc. Et donc, c'est une bonne époque puisque les féministes encouragent ce genre de recherche et encouragent ce genre de déconstruction surtout. Et donc, elle va étudier dans la littérature, et alors elle va faire la littérature scientifique, la psychologie, la médecine, la biologie, l'anthropologie, la sociologie, etc. Et elle va aboutir à ça, après ça, un constat, c'est que le contraste émotion-raison, qui est un dualisme extrêmement puissant dans notre tradition, en fait, s'articule à toute une série de polarisations, donc de dualismes, d'autres caractéristiques qui font qu'en dernier ressort, sauf dans la version romantique, mais on ne va pas beaucoup l'évoquer, les émotions sont dévalorisées. Du style, les émotions c'est le subjectif, la raison c'est l'objectivité. Les émotions c'est la nature primitive, la raison c'est la culture. Les émotions c'est le corps, la raison c'est l'esprit. Les émotions, alors là, on dans des dimensions de plus en plus problématiques, c'est l'émeute, c'est le débordement, c'est le non-contrôle, et la raison, c'est la maîtrise. Et si on dit ça, primitivité, archaïsme, la bestialité qui est en nous, on dit les émotions, c'est la bête qui est en l'homme, etc., etc., une fois qu'on a dit ça, et qu'on se dit, mais tiens, tout compte fait, même notre vocabulaire porte la trace du fait que les émotions sont le hors contrôle. Hein. Excuse-moi, je ne pensais pas, j'étais en colère, je ne pensais pas ce que je disais. J'étais débordée par la rage, j'étais étranglée par la colère, j'étais, etc., etc. Le crime passionnel n'est quand même pas une invention innocente, et c'est une invention de notre tradition, c'est de reconnaître qu'en effet, il y a plus fort que nous en nous, mais que les êtres raisonnables sont capables. Et même ces histoires de quotient émotionnel repose encore, tout en prétendant revaloriser l'émotion, repose encore sur ce contraste entre ceux qui sont capables de se contenir et ceux qui ne sont pas capables de se contenir. Et une fois que vous avez fait ça, débordement, hors contrôle, subjectivité, contre-objectivité, ça veut dire que les émotions font toujours mentir le monde. Ah, tu dis ça parce que tu es jaloux. Enfin, là, je prends les exemples les plus simples, mais allez mettre un peu d'émotionnel dans un article scientifique, vous verrez un peu comment vous allez être reçu. Passivité, contractivité, puisque les émotions, vous en êtes les victimes, les proies passives. Vous êtes débordé, vous n'êtes pas maître de votre action, vous avez perdu le contrôle de vous-même, etc. Et la raison, c'est l'activité. Passivité, activité, c'est des polarisations qui sont extrêmement codées dans notre tradition intellectuelle, dans nos filets sémantiques aussi. Donc, elle constate ça, et puis elle constate aussi que la plupart des recherches en psychologie, par exemple, tendent à montrer... C'est que même la biologie, je fais juste un petit crochet, même la biologie n'est pas indifférente à cet aspect. Jean-Didier Vincent, qui est un biologiste qui a vraiment bien étudié les émotions, montre que même les schémas qu'on se fait du cerveau dans les rapports entre raison, émotion, etc., il y a une hiérarchie. Et que on parle d'ailleurs dans le cerveau à propos de loi et d'ordre, que les émotions doivent se soumettre aux parties qui sont les plus évoluées, qui sont donc les plus
les plus contemporaines, enfin les moins anciennes, les moins archaïques et tout. Et donc il y a toute une configuration archaïsme, primitivité, bref, subjectivité, non-distance avec le monde, passivité, bref. Et elle constate, faites cette parenthèse avec Jean-Didier Vincent, elle constate que toutes les recherches scientifiques sont, enfin presque toutes, accordent aux femmes le privilège d'être plus émotionnelles que les hommes. Et accordent aux peuples décolonisés le privilège d'être souvent plus émotionnels que les peuples dits colonisateurs. Ou, si vous préférez, pour prendre un contraste plus rapide, c'est que les peuples du Sud sont généralement plus émotionnels que les peuples du Nord. Alors, vous en faites une climatologie si vous voulez, mais ça représente quand même très sérieusement à des dimensions de la colonisation, à des dimensions de l'organisation, de la justice et des choses comme ça. Et que les enfants sont plus émotionnels que les adultes. Bref, bon. Si vous voulez faire un tableau finalement reconnaissant chacun son quota d'émotionnalité, ben vous allez vous retrouver avec les femmes, les enfants, les classes laborieuses et les nations anciennement colonisées ou toujours colonisées, selon la perspective qu'on adopte, d'un côté, et de l'autre côté, vous aurez l'homme, du côté de la raison, très peu émotionnel, très dans le contrôle, si ce n'est la colère, hein, une colère, mais la colère, c'est digne, c'est politique, la colère, hein, et pas n'importe quelle colère, pas une colère hystérique, quoi, une bonne colère bien d'indignation. Vous aurez l'homme blanc, civilisé. Si vous êtes aux États-Unis, protestant, et si vous êtes en Europe, laïque. Voilà. Et donc, ça vous dit tout, sauf que ça ne dit pas tout encore. Parce que si vous voyez la manière dont les émotions sont dévalorisées, vous vous rendez compte aussi qu'il y a une sérieuse articulation politique dans cette histoire. Pourquoi? Parce que l'émotion a été un caractère d'exclusion du politique. En fait, l'agora, la création même de la démocratie, du lieu démocratique, c'est une création fondée sur l'usage partagé de la raison. Et sont exclus de l'agora, ben, les barbares, les enfants et les femmes, notamment, et les esclaves. Et donc, ça veut dire que les émotions ont joué un rôle non négligeable dans les rapports de pouvoir. Et sont issues des rapports de pouvoir, tout en tant qu'elles sanctionnent ces rapports de pouvoir, puisque sont exclues du politique et renvoyées dans le domestique et dans l'intime, là où la raison est renvoyée dans le public et dans leurs relations à l'extérieur. Et donc, ce n'est pas un hasard du tout que toutes ces dimensions dévalorisées de passivité, de subjectivité, etc., soient associées à une constante politique qui est ceux qui vont avoir ou ceux qui seront dotés des caractéristiques émotionnelles, donc de non-contrôle, doivent être exclus du politique. Ils sont hors politique, si ce n'est sujet de politique, c'est-à-dire sujet de contrôle et de maîtrise. Voilà le... Ce à quoi aboutit Lutz. Et elle va le montrer, puis elle va compliquer les choses, parce que c'est vraiment un très beau travail. Et Lutz va faire un travail très joli. Elle se dit, mais est-ce que, finalement, cette question que les femmes soient plus émotionnelles que les hommes, etc., est-ce que ce serait un produit des rapports de pouvoir, et donc des créations de subjectivité en fonction de rapports de pouvoir, ou bien est-ce que les rapports de pouvoir se fonderaient sur, en effet, des déterminants qui serait structurellement ou essentiellement, voire essentiellement, la caractéristique des êtres. Et elle va faire quelque chose d'assez joli. Elle dit ben, si je trouve une culture où il y a des rapports de pouvoir relativement égalitaires entre les hommes et les femmes, et que cette culture est capable d'exprimer ses émotions, parce que ce n'est pas le cas de toutes, il y a des cultures où ce n'est pas très poli d'exprimer ses émotions, ben, je devrais voir ce qu'il en est de ce côté-là. Ce ne sera pas une preuve, mais au moins un signe que les rapports de pouvoir sont bien un facteur qui affecte la manière dont les gens vont être conduits à faire l'expérience de leurs émotions. Et elle va choisir les Ifalouk parce qu'à l'époque de la littérature qu'elle avait pu, dont elle avait pris connaissance, elle avait trouvé que chez les Ifalouk, il y avait visiblement quelque chose d'assez prometteur dans la mesure où le mariage est matrilocal. Donc les femmes restent dans leur propre famille. Elle dit que c'est souvent un facteur. Alors, ce n'est pas nécessaire, mais souvent, il y a plus de chances d'égalité, ou en tout cas de rapport de pouvoir une pression de pouvoir moins forte si la femme reste vivre dans sa propre famille. La filiation est matrilinéaire, deuxième facteur,
Et troisième, alors ça c'est une caractéristique des Ifalouks, c'est que l'héritage se fait par les femmes qui sont les seules détentrices des biens héritables. Donc ça veut dire qu'elles sont propriétaires de toutes les terres de l'île. Ça c'est très étonnant. Et elle se dit, bon ben là on aura, si pas de, enfin, peut-être même des rapports de pouvoir inversés, mais voilà. Donc et elle décide de partir sur Ifalouk. Et elle va découvrir en fait que les choses sont bien plus compliquées que ça. Que les femmes, bien sûr, sont propriétaires des biens de l'île, que les hommes, ben, ils ont un canot de pêche et un filet. Que c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont chefs de village, mais en même temps, il y a par exemple un tabou qui fait qu'une femme ne peut jamais passer devant un homme en le dépassant de sa hauteur. Donc s'il est assis, elle n'a pas le droit de passer debout devant lui, elle doit passer à quatre pattes ou faire un détour. Elle va découvrir, dans cette expérience personnelle d'ailleurs, que les femmes n'ont pas le droit de boire de l'alcool. Elle va découvrir que, expérience personnelle, parce qu'elle a reçu une bouteille de whisky de ses copains, que ses copains lui ont fait envoyer depuis les États-Unis, et elle va aller la siffler tranquillement dans une hutte avec les filles de son âge, et ça va pas passer comme ça. Elle va découvrir quantité de choses, et elle va découvrir par exemple que la définition qu'on donne des femmes, donc les hommes disent les femmes ont le pouvoir. Mais que les femmes sont, alors c'est difficile de traduire ça en français, je le traduis de l'anglais de Catherine Hughes, que les femmes sont des êtres needy, c'est-à-dire qu'elles sont toujours dans le besoin. Ce qui est une drôle de façon de définir des rapports de pouvoir en faveur de l'autre. Être toujours dans le besoin, elles ont toujours besoin de quelque chose, elles me... Voilà. Et les femmes, en attendant, assument tous les travaux agricoles de l'île, et c'est elles qui assurent la subsistance de la plupart des... Vous voyez les contradictions, quoi. Elles ne peuvent pas passer toute la hauteur, elles ne peuvent pas boire de l'alcool, elles sont needy, mais c'est elles qui ont le pouvoir. Et par exemple, quand Catherine Luce, à un moment donné, ça qui était un peu de la contradiction, et qu'elle demande aux Ifalouks, mais comment est-ce que vous pouvez dire quand même que les femmes ont le pouvoir? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Il dit, ben parce que c'est elles qui font les enfants, et ça, c'est le vrai pouvoir. Et pour une occidentale, c'est un peu difficile, ça, évidemment, de penser que les enfants pourraient, je vais dire, pour nous, les... D'abord, nous renvoyer au biologique, même si on sait bien que les affaires des enfants, ce n'est pas le biologique, mais quand même, s'inscrirait comme une force dans les rapports de pouvoir, c'est un peu difficile à encaisser. Et c'est encore plus difficile à encaisser quand on sait, en effet, que les enfants ont été souvent une entrave certaine à la possibilité de liberté pour les femmes. Donc, et Catherine Luce va avoir à ce moment-là quelque chose de très beau. Elle va dire, bon, ben, ma question ne tient plus. Je ne peux pas demander aux Ifalouks d'être une espèce de société modèle dans laquelle on verrait qu'en dehors de rapports de pouvoir extrêmement contraignants, celui qui est sous les rapports de pouvoir est tenu d'être plus émotionnel que l'autre. Ce n'est pas une question qui tient, parce que le calque même de la manière dont s'établissent les rapports de pouvoir ne correspond pas. Je ne peux pas du tout dire les rapports de pouvoir que nous connaissons entre les hommes et les femmes sont les mêmes que chez les Ifalouks. Ils sont totalement différents et donc, s'il n'y a pas déjà au niveau des instruments même qui me permettent de mesurer de commensurabilité, comment pourrais-je rendre commensurable ce sur quoi portent ces instruments? Et donc elle va faire quelque chose d'autre, et elle va faire quelque chose de très intéressant qui est, ben, puisque mon projet ne tient pas, je vais me contenter d'un projet bien plus simple, je vais simplement m'intéresser, c'est quoi les émotions pour les Ifalouks, comment est-ce qu'ils les vivent, etc. Parce que, et ça c'est vraiment la très jolie définition de l'anthropologie que Eduardo Viveiros de Castro proposé, c'est l'anthropologie n'a pas pour tâche d'expliquer le monde d'autrui. Ce qui lui revient en droit, c'est de multiplier les mondes. Et je trouve que c'est ce que voulait Catherine Luce dit ça, c'est les émotions, ça mérite d'être multiplié. Mais en même temps, et c'est ça qui est magnifique, c'est que au fur et à mesure qu'elle va avancer dans sa recherche, elle va utiliser tous les moments de surprise, tous les moments de gaffe. Tous les moments où ça coince, tous les moments où c'est difficile pour elle, en disant, tiens, quand c'est difficile, quand je gaffe, quand je dis quelque chose qu'il ne faudrait pas, quand je ne comprends pas quelque chose, quand quelque chose me paraît totalement aberrant, c'est signe que j'ai là affaire à quelque chose qui me semble évident et qui ne l'est pas. Que ce soit la question de l'autonomie des êtres, que ce soit la question de l'authenticité des émotions, que ce soit la question de leur rapport à ce que nous prétendons avoir avec la raison, etc. Que ce soit même la question de l'intelligence elle-même, quand il y a des moments de surprise, de gaffe, de déroute, c'est signe qu'il y a quelque chose que je tenais pour acquis et qui en fait mérite d'être revisité. Ainsi, un jour, elle est avec les Ifalouks et elle leur demande de définir un peu ce que c'est que le bonheur qui se dit care en Ifalouk, si on veut étendre le vocabulaire. Et les Ifalouks vont un peu discuter de qu'est-ce qui rend heureux, etc. Et à un moment donné, elle va dire, mais finalement, comment est-ce que vous faites quand vous cherchez le bonheur? Et les Ifalouks répondent, mais on ne cherche pas le bonheur.
Alors, Catherine dit, attendez, non, on sait bien depuis Aristote, on sait bien que tout le monde cherche le bonheur. Et les Ifalouk vont lui répondre, ben non, parce que quand on cherche le bonheur, on est en fait très, très énervé, très, très mobilisé, et on ne prête plus attention aux autres, donc nous ne nous préférons pas. Et même quand on trouve le bonheur, ben on est tellement pris par son bonheur qu'on ne fait plus attention aux autres, et nous, on préfère continuer à faire attention aux autres. Et Catherine se rend compte qu'il y a une dimension morale dans la manière dont les Ifalouk perçoivent les caractéristiques de la subjectivité, que les caractéristiques de la subjectivité d'un Ifalouk sont indissociables de dimensions morales. Et que ces dimensions morales ne sont pas absentes chez nous du tout, mais qu'elles se situent autrement, que le curseur est mis à un autre endroit. Et elle va réaliser, elle dit, ma surprise en les entendant dire qu'ils ne recherchent pas le bonheur, et que moi, depuis Aristote, on m'a dit que, m'indique quelque chose qui est intéressant. C'est que, contrairement à ce que je pensais, le bonheur n'est pas un droit, mais une obligation pour nous, qui est une prescription au bonheur. Et que ce qu'on reproche aux déprimés, je veux dire aux gens en dépression nerveuse, c'est de ne plus satisfaire au désir de bonheur, de ne plus obéir à cet impératif, à cette prescription du désir de bonheur. Et ça, c'est superbe. Redéfinir la dépression comme une... Moi, je pousse plus loin Catherine Lutz, mais je sais qu'elle est d'accord parce qu'on en a discuté. J'ai eu la chance de la rencontrer 2-3 ans après ma thèse et de pouvoir discuter avec elle parce que je devais écrire une préface à une traduction française d'un de ses articles qu'on a publié sous forme de petit livre, « La dépression est-elle universelle ?» Et je disais, mais finalement, c'est une tellement jolie idée de définir la dépression comme un mode de résistance politique à la domestication des psychés. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas, parce que quand j'écrirai « Au bonheur des morts » et que je parlerai de la manière dont les gens résistent aux théories du deuil, c'est cette hypothèse-là qui me reviendra, cette hypothèse que m'avait soufflée Catherine Lutz. Et cette hypothèse qui a été confortée par Catherine Lutz elle-même, parce qu'elle m'a raconté quelque chose de très joli. Elle me raconte que si elle étudie les émotions, en fait, c'est pour des raisons professionnelles, féministes, revalorisation, autre perspective sur les émotions. Elle avait envie d'aller dans le Pacifique occidental, et elle savait que c'était un lieu, parce qu'elle, comme tous les anthropologues, et vous n'êtes pas sans savoir que les anthropologues ont des lieux de prédilection. Hein. Il y a des africanistes, il y a des amérindianistes, elle c'est une pacifiquiste, voilà, et qu'elle aime la douceur et la manière dont les gens vivent là-bas. Mais il y avait aussi une raison personnelle. Et elle m'explique que son père était assez étonnant, donc vous remettez le temps de sa jeunesse, quoi, dans les années 60, aux États-Unis, dans la moyenne bourgeoisie, dans la banlieue de New York, que son père, en fait, pleurait pour un oui ou pour un non. Il était heureux, il pleurait. Il était triste, il pleurait. Et elle dit, en fait, je me rendais bien compte que tout le monde considérait mon père, et je vais faire une traduction littérale de l'anglais parce que c'est très parlant, mon père était un mâle problématique. Et donc, de cette façon-là, étudier les émotions et étudier le rapport des femmes et des hommes au rapport aux émotions et considérer qu'en fait c'est un produit d'un rapport de pouvoir, il n'y a qu'un pas à affirmer que le père de Catherine Lutz était lui aussi un résistant politique à la question des codes qui maintiennent les genres dans des rapports de pouvoir par le biais de l'émotionnalité. Et ça pour moi c'était quelque chose qui était vraiment très très important. Alors c'était important, ça le redeviendra quand j'étudierai la question des relations des gens au deuil. Mais c'est déjà important aussi de ce qui se passe à ce moment-là. C'est qu'à ce moment-là, j'ai enfin, ce que je n'avais pas du tout, une lecture politique des émotions. Et que je peux à ce moment-là relire tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai lu, parce que j'avais énormément lu de choses sur les émotions, mais je m'ennuyais parce que je ne voyais pas quelle prise. Donc cette thèse, je ne pouvais pas la faire tant que je n'avais pas une prise, tant que je n'avais pas un fil. Et à ce moment-là, je peux tout relire à la lumière de ce que les ethnopsychologues m'apprennent, c'est-à-dire considérer ça comme des produits culturels, c'est-à-dire considérer que même la psychologie la plus scientifique est une ethnopsychologie parmi les autres. Et donc, regarder les dispositifs scientifiques, regarder toutes ces expériences qui ont été faites sur les émotions, l'expérience Valine, l'expérience Schachter et Singer, enfin, toutes ces expériences-là, les regarder avec un œil d'ethnopsychologue, c'est-à-dire avec un œil de quelqu'un qui regarde une culture qui lui est partiellement étrangère. Et c'est-à-dire aussi, et c'est là où ça devenait intéressant, la regarder avec la bienveillance des anthropologues. Vous savez, les anthropologues, ils vont dans d'autres contrées, ils voient des choses qui leur paraissent
tout à fait bizarres, voire même incroyables, auxquels ils ne peuvent absolument pas adhérer. Il y en a qui, il est vrai, mais la plupart vont adopter, et ce n'est même pas une neutralité, c'est des modes de compréhension qui permettent de rendre ça tout à fait compréhensible, indiqué, enfin bref, pertinent, etc. Et donc, avoir avec les dispositifs scientifiques, même les plus absurdes, qui vont mettre les gens dans des situations les plus absurdes qui soient, pour étudier leurs émotions, essayer d'avoir le même regard de bienveillance de l'anthropologue qui va en terre inconnue, et considérer la tribu des scientifiques, et ça c'est du Bruno Latour ici, hein, que je suis en train de faire aussi, et considérer les scientifiques. Bien sûr, par moments, je dis, bon, ici, les gars, il y a un problème. Hein. Quand Tamara Dembo prétend étudier ce qu'est la colère en laboratoire, et qu'elle met les gens dans des fureurs extrêmes, en oubliant complètement qu'elle est leur représentante de l'autorité scientifique, et que ce n'est pas n'importe quelle fureur, je dis quand même, là, il me semble que je suis d'accord, on a bien produit de la colère, mais qu'on ne prétende pas pouvoir faire une définition hors laboratoire de la colère à partir de ce qu'on a trouvé aussi. Ça veut dire, c'est une version de la colère, ce qui va m'amener à élaborer la notion de version, c'est-à-dire de considérer que toutes ces études en laboratoire, toutes ces recherches, ne peuvent pas avoir la validité écologique qu'elles prétendent avoir, c'est-à-dire dire on a enfin défini ce que c'est que la colère, on a enfin défini ce que c'est que la joie, on a enfin défini ce que c'est que l'émotion, mais chacune va apporter une version d'une possibilité d'être de la joie, d'une possibilité d'être de la colère, d'une possibilité d'être... Et alors ça devient beaucoup plus intéressant si on le considère comme ça, ça veut dire que les dispositifs sont des créateurs d'expériences émotionnelles, et parfois même si cette expérience n'est pas exactement comme elle est dans la vie de tous les jours, ça veut dire que les dispositifs scientifiques ne sont pas des révélateurs, mais si on leur attribue le rôle créateur, ça veut dire qu'ils sont capables de créer des émotions nouvelles en laboratoire.